Il n'y a pas d'agriculture sans fertilisation, hein. euh, parce que par, par la nature même de l'acte bio-géochimique d'agriculture, on enlève quelque chose au sol. Mm. Ce quelque chose est en quantité limitée. Si on ne le restitue pas, le sol perd sa fertilité. Après quelques années, la, la fertilité du sol est totalement éteinte. Mm. Euh, donc il n'y a d'agriculture, à long terme en tout cas, que euh, par un certain mode de fertilisation. Et les modes de fertilisation car caractérisent les systèmes agricoles. C'est une agriculture minière, c'est l'exploitation d'un front pionnier, hein, très, très clairement. Et c'est une agriculture minière en ce sens que c'est basé sur l'extraction d'une ressource sans aucune restitution, précisément. Alors ça ne va pas durer très longtemps, c'est pour ça que je disais fin du premier acte, parce que la fin du premier acte, elle arrive très très vite avec un épuisement de ces sols, les rendements fabuleux qu'on avait en, en quelques décennies, on les a plus du tout. C'est-à-dire qu'on a remplacé cette agriculture minière par une agriculture industrielle. Mmh. Euh, effectivement, on restitue au sol ce qu'on lui a pris par la récolte, mais on le restitue sous forme d'un produit industriel fabriqué dans des usines. Et, et donc, la, le système de la polyculture élevage, hein, où... Euh, la base de la fertilité des sols, c'était l'animal quelque part, comme hmm. moyen vecteur de, euh, entre la fixation symbiotique des légumineuses et, et le, le champ cultivé. Euh, C'est fini, on n'a plus besoin d'animaux maintenant. Oui. L'usine apporte ce qu'il faut. Le système agricole actuel est euh, un moteur de franchissement de limites planétaires. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de flux, de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler du système agroalimentaire. On va se poser la question de comment fonctionne notre système actuel et pourquoi il est responsable aujourd'hui du franchissement de plusieurs limites planétaires. Sans surprise, les engrais chimiques ou de synthèse sont au centre de cette problématique ou de ces questions. Du coup, la question à 1000 points devient peut-on nourrir 8 à 10 milliards de personnes sur cette planète sans engrais chimiques Et à quoi ressemblerait ce futur système agroalimentaire Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai le plaisir de discuter avec Gilles Bilen. Gilles est directeur de recherche émérite au CNRS. Et biogeochémiste au laboratoire des milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols, entre parenthèses métis, euh, de Sorbonne Université. Ses recherches se focalisent sur les flux d'azote, de phosphore euh, et sur le fonctionnement biogéochimique bio des territoires, les transitions socio-écologiques et les systèmes agroalimentaires. Bonjour Gilles, bienvenue au podcast. Bonjour Aristide. Ça fait euh, plusieurs mois qu'on essaye de se croiser pour avoir cette discussion. Je suis vraiment ravi euh, qu'on se retrouve aujourd'hui. Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est quoi un système agroalimentaire euh, C'est quoi l'azote C'est quoi le phosphore C'est ces questions un peu plus euh, complexes. Je voudrais qu'on parle de biogéochimie. C'était un master que je voulais faire. Euh, quand <laughs> quand j'ai fini ingénieur, je me suis dit que c'est le sujet qui me passionne le plus. C'est la biogéochimie parce qu'il y a trois composantes ensemble. Et ça permet de comprendre le vivant sous différentes facettes. Finalement, j'ai fait urbanisme, mais c'est quoi la biogéochimie Bon, la biogéochimie, bon, c'est comme son nom l'indique, c'est un mélange de biologie, de géologie, de chimie. Euh, mais c'est pas ça. Oui, ça montre déjà une tendance forte à l'interdisciplinarité. Il n'y a pas que ça dans la biogéochimie, euh, et c'est pas non plus cette multi disciplinarité qui la constitue véritablement. Euh, C'est plutôt un certain regard, je dirais, euh, une certaine façon de regarder le monde, euh, non pas comme une collection d'objets, hein, mais comme euh, oui, des objets qui échangent des flux. C'est ces flux qui sont euh, à la base du regard. On, on regarde le monde comme un ensemble de flux qui passent d'un compartiment à un autre euh, qui de l autre. donc c'est de la matière qui qui s'échange qui se transforme euh, c'est une façon assez hallucinée finalement de regarder le monde euh, moi j'ai dans mes tripes hein, senti cette euh, cette conception après avoir lu Beaucoup euh, les travaux de Paul l'époque <laughs> Après avoir ce tout, euh, regarder pendant des heures émerveillé le magnifique dessin de la forêt qu'il avait ouais, qu'il ouais. avait produit, l'écosystème forêt. forêt avec ses grands arbres, ses écureuils, ses oiseaux, la lumière du soleil qui entre là-dedans, euh, la photosynthèse, le chevreuil, euh, le chevreuil euh, qui trône <laughs> et qui, voilà. Euh, un, un, en regardant ça bon, moi je me promenais beaucoup en forêt avec mon cher à, à l'époque et <laughs> je passais des heures adolescents comme ça dans la forêt et d'avoir vu ça ça m'a changé complètement mon regard j'entrais plus dans la forêt comme le petit collectionneur que j'avais été hein, d'ailleurs oui. qui, qui cherchait la secte rare ou la fleur ici ou là. Euh, mais plutôt comme Jonas qui rentre dans le ventre de la baleine et qui voit euh, qui, qui, qui l'air qui rentre dans les poumons, le sang qui circule dans le cœur, la nourriture qui rentre, qui ressort, qui est digérée. C'est voilà, ce regard un peu halluciné d'être dans le ventre de la baleine et de voir le fonctionnement intérieur dont on fait partie, en fait, quelque part, quand on est Jonas. Ouais. Et, et c'est ce regard de Jonas qui ne m'a plus quitté, en fait. Euh, euh, et qui s'applique pas seulement à la forêt, hein, qui s'applique à euh, n'importe quel milieu, y compris y compris la ville, quoi, finalement. Ouais, ouais. Y compris la ville où on voit ces camions qui passent, ces magasins qui regorgent de nourriture, ces acheteurs qui viennent la chercher, ces mangeurs qui excrètent des choses qu'il faut bien éliminer. La ville est un ensemble de flux, et voir la ville à travers ce métabolisme, mmh. cet ensemble de flux, c'est ce qui caractérise, je crois, la biogeochimie c'est la volonté ce qui est chimique là-dedans, mmh. c'est qu'on regarde les transformations de la matière. Hein. Et, et c'est de la biologie parce que ces transformations de la matière sont essentiellement biologiques. Et c'est de la géologie parce qu'à euh, l'origine de ces matières, il y a souvent bah, un, un jugement à, euh, ex, ouais. à extraire. Euh, voilà. mmh. euh, et donc c'est ça la biochimie, c'est ce type de regard, euh, la nature à travers les flux de matière. Ah, je savais que je devais faire des études de biochimie. <laughs> ça paraît... Euh... Passionnant, évidemment, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les villes, on va en parler un peu plus tard également. Tu as parlé de Duvignaud, peut-être que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ne connaissent pas Paul Duvignaud, qui était un botaniste puis écologue belge, qui a écrit la synthèse écologique en 82, mais comme tu disais, qui a paru bien avant. Dans les mêmes parages, il y a eu les frères Odum, il y avait cette naissance ou renaissance de l'écologie. Et je me demande, est-ce que euh, c'est ça qui, euh, qui a fait que, euh, euh, bah, que tu sois intéressé Mais parle-nous aussi un peu de cette. Euh, tu as parlé de flux, tu as parlé de processus, etc. Enfin, il y a une espèce de formalisme qui, est né, qui est né dans les années 70, euh, 70, 70, 80. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, cette, de, de, de ce sentiment de je vois la forêt, je vois les flux, vers un formalisme scientifique avec euh, même des symboles et des choses comme ça, euh, que des personnes comme euh, Odum ou Duvignon ont, ont par après mis en place. Oui, oui. Pour, pour, euh, bah, pour rendre compréhensible, simple, aussi et, et bon, rationalisable, euh, cette vision hein, que, que je décris de manière un peu poétique, euh, c'est vrai qu'on a besoin d'une grammaire de forme d'abord. Mmh. Hein. Euh, et cette grammaire de forme, elle consiste à distinguer euh, des stocks. Bah, c'est souvent représenté par un cercle, voilà. euh, des flux entre ces stocks, une flèche avec une certaine épaisseur qui montre l'intensité des flux de transfert d'un stock vers un autre, et puis, actionnant ces flux, un processus mmh. euh, que moi je représente souvent par un carré qui est au milieu de la, de la flèche, euh, un carré qui représente l'ensemble des mécanismes, souvent ça cache des agents hein, qui sont à l'origine de ces flux, euh, ben, on peut aussi mettre les agents de manière explicite dans le diagramme parce qu'ils agissent sur ces flux d'une certaine manière, euh, soit par un autre flux ça peut être un flux d'énergie d'ailleurs, soit par simplement un échange d'informations qu'on peut représenter aussi dans ce type de, de diagramme. Voilà. Euh, on distingue donc des stocks, des flux, des processus et des agents de ces processus. Mm -hmm. euh, à partir de ça, on peut dessiner, on peut concevoir de manière d'abord très schématique et très simplifiée le fonctionnement d'un système euh, et raisonner le fonctionnement de ce système qu'on pourra détailler, qu'on pourra complexifier au gré de l'avancement de la compréhension et de la, de la connaissance de ce mmh. système, mais ça fonctionne beaucoup comme ça, d'où mmh. l'usage peut-être immodéré <laughs> de, de ces grands diagrammes ouais. euh, que j'appelais boule flèche à hein, <laughs> une ouais. certaine période, euh, des, ces, ces diagrammes de flux ouais. finalement qui, qui, bon, euh, qui, qui pour moi ont une valeur très, très synthétique euh, de la perception du fonctionnement d'un système. Mmh, mmh. on va en revenir d'ici un instant sur ces diagrammes ci euh, comment les lire ce qu'on apprend par cette lecture mais je voudrais illustrer ça donc on a parlé de flux on a parlé de stock, on a parlé de processus on a parlé d'agents euh, pour je t'ai invité évidemment pour qu'on parle des systèmes agroalimentaires déjà c'est quoi agroalimentaire, enfin c'est quoi les composantes là-dedans Est-ce qu'on peut l'exemplifier un peu avec euh, ce que tu as dit, avec euh, des, des flux C'est quoi un flux dans le système agroalimentaire C'est quoi un stock Quels sont certains de ces processus De manière assez simple pour qu'on pour qu se réalise, pour que les personnes qui regardent autour d'elles euh, l'alimentaire, comment ça fonctionne. On a du mal. Aujourd'hui, on va au supermarché, on achète, mais derrière ça, il y a évidemment plein de personnes, plein de flux qui sont mobilisés. Oui, c'est ça. Si on commence par l'alimentation, la, mmh. la partie alimentaire euh, des choses, on, on voit assez bien l'assiette, euh, euh, éventuellement l'achat qui permet de mettre des choses dedans et puis l'acte de manger qui, qui voilà. Et puis et puis c'est fini. Merci. Mais non c'est pas fini. <laughs> et d'abord ça commence pas par le supermarché évidemment. Euh, je vais commencer par la fin. Euh, ouais. Juste pour faire plaisir à Fabien Esculier, <laughs> qui, je crois, est déjà oui, intervenu dans, série. dans cette oui, oui. série, euh, et, qui, et qui reproche toujours Mais enfin, l'alimentation, c'est aussi l'excrétion. Qu -ce ah, parce que, voilà, en bon chimiste, rien ne se perd, rien ne se crée. Et ce que vous mangez, que vous ne l'accumulez pas. Ou alors, vous seriez très, très, très vite obèse. Euh, ce que vous mangez, vous l'excrétez sous forme d'urine ou de matière fécale. Dans les deux cas, il euh, y a tout un circuit de gestion de cela actuellement dans, dans les villes euh, et c'est pas et c'est pas rien du tout ça consomme ouais. des ressources énormes euh, actuellement dans les villes occidentales essentiellement euh, par le tout à l'égout et puis l'épuration plus ou moins poussée très poussée dans les grandes villes d'ailleurs de toutes ces matières pour à grands frais énergétiques les renvoyer euh, le plus loin possible dans l'atmosphère pour ce qui est de l'azote euh, dans euh, dans le qu'on va peut-être euh, il faut qu'on nous incinère le plus souvent d'ailleurs, <laughs> donc retour à l'atmosphère, éventuellement dans des décharges, euh, et puis pour ramener une eau mal dépolluée dans les rivières. Bon, voilà. C'est tout ça aussi l'alimentation, c'est tout ce qui suit, c'est donc ce métabolisme d'excrétion euh, dont on parle très très peu. Alors je reviens vers l'amont, parce que c'est plus ce que je connais. Euh, mais le supermarché, euh, il ne fait pas pousser des légumes. Le hein. supermarché n'est qu'une étape dans une grande circulation de, de production agricole euh, de transformation de ces produits agricoles. Parmi ces transformations, il y a l'élevage qui transforme mmh. des protéines animales, enfin des aliments végétaux en, en aliments animaux. Euh, il y a la collecte de tout cela. Il y a, le, le, voilà, le, la fourniture euh, euh, par la distribution. Euh, et en amont même de cette agriculture, euh, l'agriculture voilà, c'est par essence le fait d'extraire de, d'un sol. De la matière qui contient bon, du carbone, de l'azote, du phosphore. Euh, le carbone, il vient de, du CO2 de l'atmosphère, pas de souci. La circulation atmosphérique recircule ça très très bien, c'est pas le souci. L'azote et le phosphore par contre mmh. euh, sont en quantité limitée dans, dans le sol et donc tout ce qu'on extrait par la récolte doit être restitué d'une manière ou d'une autre. Euh, et donc la fertilisation de, de ces terres fait partie intégrante, donc la quête d'engrais hein, ouais. fait partie intégrante de ce système agroalimentaire excrétion mmh. <laughs> et, et c'est ça, ça un système agroal... le le, enfin la, la, la recherche mmh. de la fertilité des sols a été toujours une, une préoccupation en fait alors je dirais que il n'y a pas d'agriculture sans fertilisation mmh. hein, euh, parce que par, par la nature même de l'acte bio-géochimique, d'agriculture, on enlève quelque chose au sol. Mm. Ce quelque chose est en quantité limitée. Si on ne le restitue pas, le sol perd sa fertilité après quelques années, la fertilité du sol est totalement éteinte. Mm. Euh, donc, il n'y a d'agriculture à long terme en tout cas que euh, par un certain mode de fertilisation. Et les modes de fertilisation car caractérisent les systèmes agricoles. Ça peut être euh, ça peut être la bâtie brûlis forestier, hein, où on charge finalement une longue jachère forestière euh, de, de régénérer les éléments nutritifs élimin... emportés par la récolte, euh, grâce notamment au fait que c est, c est les arbres puisent leurs racines très loin dans le sol, donc mobilisent le phosphore qui, qui se trouve dans les roches, que des, des plantes fixatrices d'azote de type légumineuse, hein, ça peut être des arbres fixateurs mm -hmm. d'azote aussi, euh, prélèvent de l'azote inerte de l'atmosphère du sol et le transforme en azote réactif, en azote utilisable par les plantes. Donc une longue jachère forestière est susceptible effectivement de reconstituer un stock de nutriments, d'azote en particulier mmh. et de phosphore dans le sol qui une fois qu'on aura abattu cette forêt et cultivé pendant un an ou deux euh, permettra effectivement cette exportation à condition de revenir à ce site. Ça c'est l'agriculture sur abattu bruit du forestier. Il y a d'autres méthodes hein euh, traditionnel mmh. L'inondation bah, d'un fleuve, euh, surtout les fleuves tropicaux qui ont cette, cette, cette grande fluctuation de débit avec une inondation des plaines. Bon, on pense tout de suite évidemment au delta et au cours la de l'Égypte. La Mésopotamie, ouais. Ouais. Euh, le, de, le delta intérieur du Niger, euh, mmh. le, 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 le Mékong. Euh, j'imagine. Euh, ouais. Voilà le Mékong avec le, le lac intérieur euh, du Cambodge. Euh, tout ça sont des exemples d'agriculture. De, euh, lié d'agriculture de décrue, en fait. On laisse le fleuve déposer des alluvions, alluvions qu que le fleuve a arrachées à un énorme bassin versant amont, hein, forestier ou autre. Et donc toutes ces alluvions très riches en nutriments se redéposent, et sur ces alluvions, année après année, on peut effectivement extraire des choses. Donc voilà, c'est un don du ciel, mmh. enfin ouais. un don du bassin versant amont, ouais. en réalité, <laughs> qui ouais. permet cette fertilisation. C'est très efficace hein, comme mode d'agriculture. Alors, euh, en, en Europe tempérée, euh, le mode d'agriculture qui a prévalu, c'est l'association avec l'élevage. Mmh, mmh. euh, le bétail a pour fonction, oui, certainement, de donner un peu de lait, dans un peu de viande. Euh, oui, certainement, de tirer une charrette. Mais surtout, <laughs> le rôle bio du bétail, c'est de chier sur le champ, mmh. en fait, de restituer souvent d'excréments. À la parcelle qu'on va cultiver, tous les nutriments qu'il a extraits d'une grande prairie semi-naturelle, voire d'une forêt d'ailleurs, qui fait partie intégrante de, euh, du territoire cultivé, même si c'est semi-sauvage, euh, parce que c'est un transfert de fertilité de ces milieux semi-naturels vers la parcelle cultivée grâce au bétail qu'on fait dormir sur la parcelle pendant la nuit et paître euh, sur les, les steppes euh, ou les. Où les les prairies, les, les, ouais. les prairies les, ce qu'on appelle le saltus hein, mm. dans, dans l'Antiquité, euh, pendant le jour. Mm. Et voilà, et c'est ça l'idée, c'est le bétail comme agent de transfert de fertilité. Alors ça, ça se perfectionne très fort, hein. ce que je décris ah ouais. là, c'est le système méditerranéen antique, quoi. Mm. Euh, en, très vite en Europe occidentale. Avant, avant les romains c'était surtout de la bâtie brûlis forestier les, les, les romains introduisent un petit peu ce, ce système mais c'était généralisé du coup ce, ce enfin brûler les forêts c'était la bie brûlis de... forestier oui c'est ah, oui, oui. clairement euh, et c'est encore pratiqué dans beaucoup de régions mm -hmm. du monde c'est encore pratiqué en, en afrique euh, subsaharienne mm -hmm. sur, sur de la savane et les, les mais c'est très efficace et pour autant que la jachère soit suffisamment longue, ça, ça marche très bien. Ça n'a pas des rendements fabuleux, mais c'est mmh. suffisamment euh, renouvelable, renouvelable oui. pour, être, pour être pérenne, effectivement, pour être mmh. euh, tout à fait euh, fonctionnel. Quoi. Euh, alors, donc, euh, <laughs> j'étais en train de raconter comment, comment les, les Romains... Euh, introduisant ce type d'association culture-élevage, la polyculture-élevage en quelque sorte, comment ce système s'est transformé vers le 10e, 11e, 12e siècle en dans Europe tempérée par euh, l'organisation d'un assolement triennal pendant, pendant un an. Enfin, on, on divise les terres cultivées, celles qui ont un bon sol. Hein, qui, Travaillable par, euh, par la main-d'œuvre humaine, on la divise en trois sols. Une seule est laissée en jachère, mmh. c'est-à-dire que le bétail va venir y faire ses excréments pendant euh, une année, tous les soirs. <laughs> Après cela, on retourne un petit peu, on remélange un peu ses excréments et on peut faire une bonne année de céréales. Mmh. Et puis l'année suivante, une une autre année de céréales un peu moins exigeantes ce sera un blé la première année sans doute une avoine la seconde et donc le système fonctionne avec des prairies pour nourrir le bétail et deux années de céréales les prairies doivent aussi servir à nourrir le bétail pendant l'hiver quand quand euh, l'herbe ne pousse plus pendant l'hiver le, le bétail on le met à l'étable et on lui fournit euh, de, du foin fauché Mmh. Bon, voilà, ça, ça, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne tellement bien que des petites villes peuvent commencer à s'établir que, que toute la main-d'œuvre euh, ne doit pas être consacrée aux travaux des champs. Ça s'améliore encore beaucoup plus quand euh, les villes commençant à, à demander beaucoup d'exports. De, un export qui sera totalement perdu. Donc de... Export, tu parles d'azote dans, dans ta tête ou tu parles de quoi quand tu parles de? Bah, elle, elle demande du blé, elle demande du de, de oui. elle demande Donc, du blé essentiellement. Export hein. de l'export ouais. de blé. Tant que le blé est consommé localement, les excréments humains qui en résultent, la fameuse excrétion dont mmh. je parlais, peut être recyclé sur place. Mmh. Hein. Et finalement, ce qui doit être renouvelé. C'est seulement la partie perdue, inévitable, parce que l'eau de pluie entraîne un peu de nutriments, parce qu'il y a de la dénitrification. Donc il y a, il y a ce, cette nécessité d'apporter, je parle d'azote là maintenant effectivement, mmh. d'apporter euh, davantage que pour compenser l'exportation, il, il faut aussi compenser les pertes. Et pour ce qui, ce qui est de l'azote, et c'est pour ça que je parle beaucoup d'azote, l'azote est très mobile et donc les pertes d'azote sont, sont très grandes, on, on verra. Sans doute tout à l'heure que ce n'est pas neutre du point de vue environnemental. Mmh. Mais enfin, voilà. Il euh, y a beaucoup plus à compenser en agriculture par des engrais azotés que par des engrais phosphorés. Le phosphore tient très fort aux particules euh, d'argile et, et ne se barre pas. Quoi. Mmh. Euh, donc, il ne se barre pas que si on l'entraîne dans le blé qu'on récolte. Voilà. Mais donc, la restitution doit être plus forte en azote parce qu'elle doit compenser non seulement l'export par la récolte, mais aussi les pertes. Bon. Alors. Euh, oui, donc une exportation vers la ville, ça n'a pas le même sens biogéochimique qu'une exportation simplement vers, la, vers le village qui recycle aussi ses excréments sur les sols. Ce n'est pas, pas la même chose en termes de, de nécessité de fertilisation restituante. Mmh, mmh. Voilà. Donc, voilà, le développement des villes, c'est là, là que je voulais revenir, ouais. il, est, il est central. Euh, et on peut, on peut regarder ça d'ailleurs de cette manière-là maintenant. Je, je vais un peu raconter l'histoire de l'agriculture, mais on peut, on peut à côté de ça regarder l'histoire des villes finalement. Ouais, ouais. <laughs> J'avais un peu travaillé avec d'autres, hein, avec Josette Garnier, avec Sabine Barle, l'histoire de l'approvisionnement de Paris. Il y a beaucoup de gens qui se sont, qui se sont intéressés à ça d'ailleurs. C'est assez frappant de voir que... Euh, Paris, euh, à la veille de la Révolution française, là, 1700, dans les années 1780, il y a un très beau bouquin de Reynald Dabat hein, qui s'appelle Le Grand Marché, qui montre comment, dans l'Ancien Régime, euh, l'alimentation de Paris euh, était un truc terriblement structurant pour, pour tout le royaume. Mmh. Euh, il avait bah montré ouais, ça. Bah ouais. Et il lui, il faisait des calculs en, en livre tournois, je crois, à l'époque, mmh. hein, euh, montrant qu'effectivement, euh, la, la richesse de Paris, finalement, ruisselait <laughs> jusqu'au fin fond du royaume <laughs> par, la, par la, la consommation de luxe, finalement, des Parisiens. Alors, en livre tournois, il avait sûrement raison. Moi, j'ai essayé de reprendre ces mêmes chiffres, parce qu'il oui. a fait un travail fabuleux, et de les transformer en azote pour voir l'empreinte azotée de... Est-ce que, effectivement, Paris, qui est une grande ville à ce moment-là, c'est quoi, je crois, 700 000 habitants, est-ce que Paris euh, puise l'azote qui le nourrit depuis euh, toute la France Ben non, en fait, c'est marginal. L'essentiel de la nourriture, des protéines, donc hein, de l'azote, des protéines euh, consommées à Paris provient d'un périmètre de... 50, 75 kilomètres autour ah, ouais. de Paris. Donc c'est quand même beaucoup plus limité. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'Interland parisien. Hein, une, une ville. Oui, c'est euh, François Hacher, un urbaniste qui définissait une ville comme un rassemblement de populations qui ne produisent pas elles-mêmes leur nourriture. Donc, les, les villes ont besoin, effectivement, d'aller chercher le, leur euh, nourriture. Qui a euh, un surplus, quelque part, pour qu'elle puisse exister. Voilà, exactement. Ouais. Et donc c'est cet ensemble. Euh, ville-campagne qui mmh. fait le système agroalimentaire finalement. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Et donc euh, ça m'intéressait de regarder quelle était la taille de l'interland nourricier d'une ville comme Paris. Ouais. Donc voilà, euh, ça c'est Paris en, à la veille de la Révolution française. Un siècle plus tard, fin du 19e siècle, donc on arrive à... Bon, il y a quand même plein de choses qui se sont passées. Les, les... Les transports se sont multipliés. Paris a multiplié par 7, je crois, sa, sa population. On n'est pas loin des, des, 4, des 4 millions d'habitants à Paris à, à cette époque-là. Euh, bon, alors l'Interland s'est un petit peu agrandi, mais finalement pas dans des proportions terribles. C'est, je crois, 150 km km2, Ça a peut-être doublé, mais, mais pas du tout dans les proportions qu'on aurait, qu mmh. aurait pu attendre. Euh, donc voilà, Paris reste très ancré dans son territoire jusqu'à assez tard finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé Enfin, comment Alors, on peut euh, arriver à un rendement du coup voilà, beaucoup plus... C'est euh... donc qu'en parallèle, le système agricole de la campagne s'est modifié. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est modifié C'est extraordinaire de, de regarder ça. Qu'est-ce qui s'est modifié C'est que ce système d'agriculture triennale, enfin de, de rotation triennale, jachère, céréales 1, céréales 2, s'est transformé par le remplacement de la jachère par une culture de légumineuse, le trèfle, la luzerne. Mmh. La généralisation de ce type de, euh, de, de, de remplacement finalement de, de la jachère par une culture de légumineuse qui permet de nourrir le bétail. Euh, de le nourrir à l'étable d'ailleurs aussi, de récupérer mieux ses excréments. Et donc on n'a pas besoin de le faire venir sur place, on le ouais. nourrit, voilà. Euh, on, on, a beaucoup, on peut nourrir beaucoup plus de bétail, donc on produit beaucoup plus d'excréments. D'ailleurs, la, la culture elle-même de la légumineuse laisse derrière elle euh, des, des racines, des parties non récoltées qui enrichissent le sol en azote, dont profitent aussi les céréales suivantes. Et donc on a un, une multiplication très significative de la production. Au passage, et ça vient d'où qui, qui savait que le trèfle ah, Enfin, ça reste quand même. Ça, c'est des perfectionnements qui. qui ouais, oui, oui, bien sûr. Hein. C'est euh, très empirique, mais, mais euh... comment s'appelle cet agronome euh, du, sous Henri IV, euh, qui a publié de le, mmh. des, 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 des bouquins fabuleux de conseils aux cultivateurs, il parle déjà des, du rôle fertilisant des fèves, des légumineuses, d'une manière générale. Donc, c'est des choses qui sont connues. On, mmh. on intercale ça un petit peu, dans le, mais pas au point d'en faire une seule complète une méthode, Et ça, ouais, enfin, voilà, ouais. ça, ça c'est quelque chose qui naît en Angleterre, d'ailleurs, euh, mmh. plutôt qu'en qu en France. Enfin, à la fin du 19 XIXe siècle, c'est généralisé dans, dans toute l'Europe. Euh, alors, Justement, je, je dis c'est né d'abord en, en Angleterre, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait penser que les, les Anglais sont pionniers dans, dans cette transformation. Ah oui, non, d'abord, je voulais dire un truc. <laughs> je voulais dire un truc parce que tu m'as interrompu. Ouais. Euh, le, ça, ça a l'air anodin de remplacer une jachère par une culture de légumineuse. Ce n'est pas anodin du tout, évidemment, sur le plan social. Parce que la jachère, c'était quand même le lieu. Enfin, dans, dans les assolements, dans un village. Toutes les, enfin, les jachères étaient formées de parcelles contiguës de tous les gens du village. Et donc on avait un vaste espace où pouvaient euh, vaquer les troupeaux. Euh, même le petit cultivateur qui n'avait pas beaucoup de terre profitait euh, du bétail, et pas beaucoup de terre et pas beaucoup de bétail d'ailleurs, profitait de la généralité, de, de, du, du caractère commun de cet engraissement collectif par le troupeau du village, quoi, mmh. quelque part. Hein. Des choses qu'on rencontre aussi très fort. En... Avec le troupeau qui part en estive. Il hein. enfin, y avait quelque chose de collectif dans le troupeau qui se perd évidemment dès le moment où chacun sème son propre trèfle sur sa parcelle qui l'enclôt. Hein, c'est la fameuse question des enclosures finalement ouais. alors, qui en Angleterre, en Angleterre a oui. joué un très grand rôle parce que ça élimine de la paysannerie tout un certain nombre de petits, de ouais. petits paysans qui n'ont pas du tout la possibilité d'avoir le bétail nécessaire à la, à la fertilité de son champ. Donc c'est crucial cette affaire. Mm -hmm. Euh, mais revenons aux Anglais hein, donc euh, Paris, Paris se nourrit de son Interland très longtemps Londres quand on fait la même chose pour Londres mm -hmm. c'est pas du tout comme ça euh, Londres a développé des colonies et mm -hmm. à partir du, 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 bah, du milieu en tout cas du XIXe siècle Londres se détourne complètement de la enfin, Londres l'Angleterre, de son approvisionnement alimentaire et le délègue complètement ses anciennes colonies, ses anciennes colonies lointaines pour des produits euh, tropicaux de mais des produits de base aussi pour ce qui concerne ces colonies ou anciennes colonies de milieux tempérés, je pense évidemment à l'Amérique du Nord, mm -hmm. l'Amérique du Nord avec la, la conquête de l'Ouest. C'est quoi la conquête de l'Ouest en fait C'est l'appropriation la, la, par des colons. Euh, britannique ou de toute l'Europe, de terre qui, au milieu de, là, de ce continent, étaient, euh, était. C'était la grande prairie, quoi. Hein, ouais. euh, c'était une prairie fabuleuse, avec plein de bisons, quelques chasseurs de bisons qui faisaient un peu d'agriculture en fond de vallée, mais pas du tout sur les plateaux, euh, ou sur ces grandes plaines de, de prairies. Et, et donc, c'était des sols qui ont accumulé un humus de prairies extra une extraordinaire. <laughs> richesse et dès le, le petit colon qui vient de sa ferme de 3-4 hectares qu'il a quitté parce qu'il pouvait plus euh, qui a traversé l'Atlantique et qui se retrouve avec une concession là tout à coup il a à sa disposition 10 fois plus de terre une terre encore plus fertile beaucoup plus fertile ouais. 5 fois plus de rendement ouais. et il a pas besoin il n'a pas besoin de s'embêter à, à faire des rotations à faire, à faire venir paître son bétail le bétail il, est, il a tout l'espace qu'il veut et voilà, le centre de l'Amérique devient un endroit fantastique pour la culture des céréales. Alors c'est un peu loin, mais ça fait rien. Il y a les grands lacs, euh, et puis euh, New York creuse le canal Erie qui met l'Hudson en relation avec les grands lacs. Et du coup, en, en quelques dizaines d'années, New York est un un petit comptoir pour les peaux des trappeurs, hein, le commerce de la fourrure, devient le premier port exportateur d'Europe, qui exporte des céréales vers l'Angleterre au premier chef, parce que l'Angleterre, très vite, et c'est les conseils de Ricardo, hein, chacun mmh. se spécialise, euh, et le, le libre-échange est toujours plus, plus efficace que, que la production euh, universelle par chacun dans son, dans son coin. Euh, c'est ce, ce qui démontre mathématiquement. Bon, hein. <laughs> voilà. Euh, bon, c'est l'application de ce principe ricardien, et, et l'Angleterre apporte la moitié de sa, de sa consommation alimentaire et donc ça a plus trop de sens de parler de l'interland nourricier de, de Londres parce ouais. que voilà parce que bah, en fait c'est si si, la plaine ouais. c'est la, la grande plaine ouais. des États-Unis et puis et voilà bon euh, début du XXe siècle ça se généralise ce genre de truc et on entre dans ce qu'on appelle le premier food régime international hmm. le, euh, Fou de régime, ce qui se pas le régime alimentaire, hein, c'est autre chose, hein. c'est le, le, le système ouais. agroalimentaire international. Comment, comment voilà, c'est là qu'on qu arrive à complètement dissocier cette. Petite image idyllique que je dressais de Paris, son interland, c le système agroalimentaire parisien, c'est magnifique. Ben non, ça explose complètement, ça se mondialise totalement et c'est les Anglais qui font ça en fait. C'est sous la houlette des Anglais, l'Angleterre voilà, devient l'atelier du monde, on, là on fait des objets manufacturés qu'on échange contre de la nourriture. Et c'est ça la base de ce premier système totalement mondialisé de spécialisation extrême de l'agriculture. Mmh. Fin du premier acte. Voilà. Je pense qu'il y a une interlude à, à faire. <laughs> C'est que ce que je découvre, j'avais structuré ma pensée complètement différemment, c'est-à-dire que j'avais vu ça avant le, le 19e siècle, le 19e siècle et 20e siècle, plus ou moins les, les grands mouvements du, du, euh, des systèmes agroalimentaires. Ce que je découvre de manière bio-géochimique, mais aussi économique, c'est que même avant, on n'a même pas parlé des, des engrais azotés, euh, il y avait cette histoire d'exploitation du sol. J'extrais de, de, de l'azote et euh, tant que c'est nécessaire, je vais refournir de l'azote. Mais si je vois que ce n'est pas nécessaire, je vais aller piocher plus loin de l'azote. Et jusqu'à, comme tu dis, aller à des, des centaines, des milliers de kilomètres plus loin pour chercher en tout cas les, les protéines. C'est exactement ça, c'est une agriculture minière, c'est l'exploitation d'un front pionnier, hein, mmh, très, très clairement. Exactement. Et c'est une agriculture minière en ce sens que c'est basé sur l'extraction d'une ressource sans aucune restitution, mmh. précisément. Alors ça ne va pas durer très longtemps, c'est pour ça que je disais fin ouais. du premier acte, parce que la fin du premier acte, elle arrive très très vite avec un épuisement de ces sols, les rendements fabuleux qu'on avait en, en quelques décennies, on ne les a plus du tout. Il euh, y a le Dust Bowl, hein, cet épisode ouais. euh, de... Euh, de vente de poussière, d'érosion euh, éolienne phénoménale qui, qui va durer très longtemps que Steinbeck décrit très bien dans les raisins de la colère ces trois- quatre ans c'était quoi? Ouais. Oui, oui pendant 3-4 ans ouais. euh, les, des nuages de poussière et au plus aucune agriculture possible sur cette plaine euh, parce que des sols qui ont été complètement épuisés quoi. Euh, sans matière organique, sans plus nutriments et puis un exode rural phénoménal. Mmh. Voilà qu'est-ce qui vient sauver ça? Finalement, parce que l'Amérique s'en est remise, ouais. en fait, ça reste une puissance agricole très très forte, forte, exportatrice. Ce qui euh, bah, l'a sauvée, ce sont les engrais de synthèse, les engrais chimiques. Vous êtes prêts On rentre à l'acte 2. <laughs> Ouais, mais oui, voilà. Alors, les engrais chimiques inventés pour toutes d'autres raisons par Haber et puis mis au point de manière industrielle par Bosch euh, à la bon, veille d'un la... accident quand même. Enfin, c'est pas un accident. C'est une non. recherche très très méthodique pour pour faire des explosifs. Exactement. je voilà. veux dire c'est à la veille un de la guerre 14 quatorze. Un... Hein. enfin, c'était pas du tout fait pour l'agriculture à la base. Je pense qu'il y avait ça un peu dans la tête de, de, de Fritz Haber. Ouais. dans certains écrits on voit ça. Enfin, sa première motivation c'était effectivement la... Se faire de des sous et dynamique. pour. Se faire de la dynamique, bon. euh, Et c'est après la guerre que, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces usines <laughs> euh, le, le brevet ayant été euh, donné, hein, c ça fait partie des dommages ouais. de guerre ouais. de 1918, ouais. donné euh, aux puissances euh, vainqueurs. Ouais. De, bon. Donc voilà, on fait, on fait des usines d'azote partout parce que c'est fantastique. Et évidemment que l'agriculture est le premier débouché pacifique que l'on voit. Euh, et ça tombe à pic pour l'Amérique du Nord, mmh. qui, qui sera la première à les utiliser massivement. Et le reste de la planète va, va suivre. C'est-à-dire qu'on a remplacé cette agriculture minière par une agriculture industrielle. Mmh. Euh, effectivement, on restitue au sol ce qu'on lui a pris par la récolte, mais on le restitue sous forme d'un produit industriel fabriqué dans des usines. Et, et donc, la, le système de la polyculture élevage, hein, où... Euh, la base de la fertilité des sols, c'était l'animal, quelque part, comme hmm. moyen vecteur de, euh, entre la fixation symbiotique des légumineuses et, et le, le champ cultivé. Euh, C'est fini, on n'a plus besoin d'animaux, maintenant. Hmm. L'usine apporte <laughs> ce qu'il faut. On pour... peut séparer, en on... fait, les animaux Alors, avec va, les... Exactement, donc fini la polyculture élevage, on va mettre de la céréaliculture chimique là où les terres sont les, plus, les, les meilleures, pour faire ça et les animaux on les met euh, près des ports là où on peut débarquer de la nourriture bon marché euh, venant des quatre coins du monde et voilà et, en, en france l'exemple du bassin parisien c'est l'agriculture essentielle presque plus d'élevage et la bretagne un, un peu d'agriculture mais ça fait pas le tiers de la nourriture du, du bétail le reste est importé depuis l'amérique du nord ou du sud d'ailleurs voilà euh, euh, voilà cette Parité, cette dissociation entre agriculture et élevage, cette spécialisation des territoires, mmh. est ce qui caractérise tout à fait ce deuxième régime agroalimentaire international, food régime, mmh. hein, sous la houlette des États-Unis en fait, parce que c'est mmh. eux qui ont initié ce, ce truc et qui après la Deuxième Guerre mondiale ont tout fait pour le généraliser, avec un abandon d'un savoir-faire. Euh, euh, Très fort, parce que les légumineuses ont maîtrisé ça pas mal. Hein. Oui. Euh, mais, mais voilà, non, on, on s'en fiche des légumineuses maintenant, on n'a plus besoin de ça. On fait ça très bien dans les usines. Les usines produisent un truc qu'on peut marchandiser. La, ouais, la finition symbiotique, ça se marchandise pas tellement. <laughs> Donc euh, voilà. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la révolution verte quand c'est ouais. généralisé aux pays euh, du tiers monde, hein, post-coloniaux, euh, appliquant aussi des dépendances, notamment la fourniture d'engrais qui sont d'engrais puis de pesticides euh, qui sont majeurs. Il y a, il y a une figure que j'adore euh, qui montre. C'est dans Our World in Data, hein, ce, fameux, oui, oui, oui. ce fameux site de l'université d'Oxford qui, qui met à disposition des, des statistiques mondiales, comme ça, souvent très intéressantes. Il y, y a une figure qui montre le nombre de gens sur la planète dépendant pour leur alimentation des engrais Haber-Bosch. Mm. Et c'est une courbe comme ça, ça commence en 1913, et puis très vite, pff, ça monte. Et on est actuellement à 50% de la population mondiale. Commentaire de la petite figure. Les engrais à Berboche ont sauvé, sauvé la, la oui. moitié de la population qui, autrement, serait morte. C'est quoi ce truc C'est quoi cette prospective hein contrefactuelle oui. En fait, euh, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu Abertoge Bah, ben, euh, je pense pas que les gens seraient morts. Je pense que l'agronomie aurait surtout trouvé d'autres voies parce que parce que les légumineuses permettent parfaitement de de remplacer ça. Je veux dire qu'on enfin, connaissait ça et, et seulement on a négligé très très fortement l'agronomie des, des des légumineuses fourragères comme graines d'ailleurs. Euh, et ce qui, ce qui se serait passé, c'est ça. On aurait, pas inventé, mais on aurait poursuivi la, la, la polyculture élevage et l'usage dans les rotations des plantes légumineuses. Mm -hmm. Ce qu'on qu découvre maintenant, très tard, <rire> avec <laughs> l'agriculture biologique. Okay, ouais. ouais. euh, Peut-être qu'il faut qu'on fasse une minuscule parenthèse euh, physico-chimique, c'est-à-dire, on parle d'engrais azotés. Euh, Peut-être que certaines et certains d'entre vous se disent, attends, mais on a dans le dans l'air, il y a suffisamment d'azote ou de diazote pour euh, tout ça. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en rajoute Tu dis que c'est quand même l'élément euh, limitant l'azote plutôt que le phosphore. Euh, l'azote, on va le voir par après, c'est également euh, l'eutrophication des, des rivières. Enfin, il y a, ça reste quand même complexe, tout ça, c'est pas, pas si, si simple. juste pour se dire, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a besoin du procédé à barboche, qu'est-ce qu'il fait, et surtout, euh, c'est quoi les, euh, euh, les, demandes, euh, les demandes matérielles ou énergétiques de, de ce procédé, pour, pour mieux comprendre après euh, quels sont les drames aussi associés. d'accord. donc, l'azote est un élément Très complexe, très mobile, tout, ou complexe simplement parce qu'il existe tout des tas de formes. Mm. La forme principale finalement sur la planète, c'est effectivement le gaz N2 hein, mm -hmm. qui fait les 80%, 80, 80, ouais. 80 de l'air la, de qu'on respire. Mm -hmm. Donc on, on baigne dans l'azote, c'est ouais. incroyable. Quoi. Donc, donc comment est-ce que l'azote peut être un élément limitant, comme, comme voilà. tu le dis euh, ben, C'est ce ce est... enfin, est, est parce qu'en respirant l'azote, on n'en capte pas du tout. Mm. Euh, que, et or, on a besoin de beaucoup d'azote. Beaucoup Pourquoi on a besoin d'azote Il faut peut-être dire ça aussi. On a besoin d'azote parce que l'azote, c'est le constituant principal des protéines. Les protéines qui sont ce qui nous constitue véritablement. Enfin, on a, les gens savent ça. Il y a trois types d'aliments. Hein, les protéines, les lipides et les glucides. Dans les lipides et dans les glucides, euh, il n'y a pas d'azote. C'est d'ailleurs des molécules qui n'entrent pas, enfin, pas beaucoup dans la composition de notre... De nos structures, un peu les lipides pour nos mem les membranes, mais, mais tout le reste, c'est des protéines. Les glucides, c'est de l'énergie, les lipides aussi d'ailleurs. Donc, on, on mange des lipides et des glucides comme source d'énergie. Hmm. On les brûle et ça nous permet de, de bouger, de, de grandir, de réfléchir. De, voilà. euh, les protéines, par contre, c'est vraiment les, nos tissus. Et donc, on a besoin de constituer, de ouais. renouveler nos tissus. Et. Toi comme moi, hein, tout le monde a besoin d'à peu près 10 grammes de protéines par jour euh, pour renouveler ses tissus. C'est Quoi qu'on fasse, hein, que qu'on soit à bicyclette toute la journée ou qu'on soit derrière son ordinateur, c'est le même besoin. Okay. Par contre, ce n'est pas du tout le même besoin en, en énergie, donc en glucides ouais. et en lipides. Euh, donc, ça, c'est une chose importante. L'azote existe aussi dans les protéines. Pour qu'il vienne dans les protéines, il faut qu'il soit assimilés. Or, N2, le gaz azote, euh, ne permet pas ni aux plantes ni aux animaux de fabriquer des protéines. Pour fabriquer des protéines, il faut de l'azote sous forme... sous une forme d'abord minérale. Mm. Euh, et les deux formes minérales d'azote qui existent, c'est l'ammoniaque ou l'ammonium, euh, qui est de l'ammoniaque la, de dissous, ou les nitrates. Les nitrates... Ceux qui ont fait un tout petit peu de chimie savent que tous les nitrates sont solubles. Donc le, les nitrates, c'est extrêmement soluble. Il n'y a pas moyen de, de précipiter des nitrates. Il n'y a mmh. aucun sel précipitable de nitrates. Donc les nitrates, dès qu'il pleut, ils s'en vont, ils se barrent dans l'eau. Et c'est pour le plus grand bénéfice des algues qui, donc, pleines de nitrates dans ces eaux, se mettent à proliférer. Et ça fait les magnifiques plages vertes des, de Bretagne. Euh, voilà, l'ammoniac se transforme très vite en nitrate, d'ailleurs. Donc, euh, en mmh. fait, euh, il n'y a pas beaucoup d'ammoniac dans les sols parce qu'il est très vite transformé par nitrification en azote. Par contre, les nitrates peuvent aussi être transformés lorsqu'il n'y a plus d'oxygène. Certaines bactéries utilisent les nitrates, non pas comme source d'azote pour leur constitution, mais comme source d'oxydant en fait, le respire et le retransforme en gaz N2 perdu donc pour le cycle bio géochimique, pour, le, le cycle, pour la biologie euh, mais n'empêche ammoniac ou nitrate peuvent être utilisés comme briques pour la constitution de protéines par les plantes par les algues ou par les plantes une fois utilisés dans des protéines par les plantes, les animaux sont capables d'utiliser les protéines de ces plantes pour les transformer en protéines d'animal. Voilà. Bon, voilà, voilà un petit peu les, ce qu'il ce qu faut savoir. Donc, un ouais. élément nécessaire à la constitution des protéines, euh, qui doit se trouver sous forme minérale dans le sol à un certain moment pour être capté par les plantes, euh, et qui est aussi très mobile vers l'atmosphère ou vers l'hydrosphère, euh, s'il n'est pas... De suite capté par les plantes. Donc les sols sont susceptibles effectivement de perdre des nitrates par volatilisation ou par euh, l'ixiviation, l'essivage. Alors là-dedans, il y a encore deux, trois éléments qu'il faut qu'on qu souligne. C'est-à-dire que tu disais, les nitrites, bah, il pleut, hop, ils dégagent. Mais du coup, euh, quand ils dégagent, soit ils vont dans les nappes, ça rend l'eau plus potable. Donc quand même, on est dans, un, dans une problématique d'eau, du coup, ça, ça pose, pose un problème. Bon, ça va dans la mer, c'est pas pas fameux non plus, l'eutrophication des, des océans et, et des mers, mais aussi en amont pour fabriquer cet ammoniaque, fameux procédé Haber-Bosch. Je te laisse. Là. Voilà. Oui, oui. Alors, euh, donc, ce que font, euh, voilà. ce, que, ce que font certaines plantes. Mmh. Non, allez, on va commencer par Aborbosch. boche, <laughs> <laughs> -boche qu'est-ce qu'ils qu qu font bah, Ils se disent, il y a tellement d'azote dans cette terre, c'est pas normal qu'on puisse pas le transformer en quelque chose, en ammoniac, par exemple, NH3, N2, NH3. Qu'est-ce qui manque H2 Comment bah, On va faire de l'hydrogène. Euh, à l'époque, c'était avec du charbon et de l'eau. Aujourd'hui, c'est avec du gaz naturel, mais peu importe. On va faire de l'hydrogène. puis, en comprimant très fort, très haute pression, 1000 bars, hein, euh, et très haute température, euh, on va certainement faire quelque, faut, chose. Faire quelque chose. Effectivement, ben ça marche. Quoi. Ouais. Il faut des bons catalyseurs. Il faut trouver la, la surface qui permet à ces, à ces gaz de, de s'unir. Bon, voilà. Mais euh, Haber, qu'est-ce qu'il a trouvé C'est le bon catalyseur. Et les bons, et, et Bosch, qu'est-ce qu'il a trouvé C'est le bon moyen pour, à grands frais énergétiques, mais enfin bon, mm. euh, de pouvoir industriellement euh, créer ces grandes températures et ces hautes pressions. Voilà, c'est rien que ça. Mais c'est extraordinairement vorace. Hein. Euh, mm. Je veux dire, on compte pour une tonne d'azote fixé sous forme d'engrais, donc ammoniacal ou nitrique, euh, il faut une tonne d'équivalent pétrole sous forme de gaz. Donc énergétiquement, c'est vraiment quelque chose de très très coûteux. Alors, et, et, enfin, par... juste la petite parenthèse, ça ça veut dire exactement que notre système agroalimentaire, c'est un système de pétrole, quoi, au final. Absolument. Absolument. De 1. Ouais. Ouais, ouais, les pays qui sont aujourd'hui encore capables de fabriquer ça... Fut euh, le coût de l'énergie, c'est les pays qui ont des grosses ressources de gaz naturel. Euh, la Russie, euh, le, la Tunisie, les pays du Golfe, euh, mmh. la Norvège. Mmh. C'est ces pays-là qui font des engrais parce qu'ils parce qu ont des ressources. Et la Chine, j'oubliais, mmh. euh, qui a du charbon. charbon. <laughs> Donc voilà, euh, c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi, pourquoi faire. Simple, quand on peut faire compliqué. <laughs> faire compliqué, c'est à berboche. Faire simple, c'est compter sur des petites plantes sympathiques, le trèfle, la luzerne, le, les lentilles, les pois chiches, qui font ça spontanément, dans leurs racines. Bon, ça leur coûte aussi beaucoup d'énergie. Mm. Euh, mais c'est de l'énergie qui vient de la photosynthèse, elles font des sucres, il y a des bactéries qui, en échange de sucre, parce qu'elles ont besoin, effectivement, de booster cela, euh, sont capables, ont, ont les enzymes nécessaires pour unir l'azote atmosphérique à, euh, à, à décomposer carboné et à fabriquer euh, des, des acides aminés directement à partir N2. Ce n'est pas fréquent, hein. il n'y a que quelques mm. bactéries qui savent faire ça, et elles, elles peuvent vivre libre dans les sols, mais pas très efficacement, parce qu'il n'y a pas les ressources nécessaires, mais en symbiose avec les racines de certaines plantes. Des, des plantes herbacées ou euh, arbustives, hein, il y a des arbres comme les acacias qui font ça très bien aussi, mm. dans ces associations symbiotiques, cette fixation a lieu. Et la plante, du coup, grâce à cette symbiose, parvient à tirer tout son azote, ou la plus grande partie de son azote en tout cas, de l'azote atmosphérique, du, du gaz azote euh, qui est présent partout. Ce qui leur confère évidemment une, euh, un avantage sélectif énorme. Et ce qui en fait, très généreusement, aussi fournit de l'azote à tout l'écosystème, parce que les racines de ces, de ces plantes, ou les parties non récoltées, vont se débobiner et refaire de l'ammoniaque et puis des nitrates au bénéfice des autres, des plantes qui, qui les suivent dans la succession. Et c'est pourquoi, effectivement, une rotation de culture mmh. qui alterne des légumineuses, puis des céréales, puis encore des légumineuses, puis encore d'autres plantes, euh, Permet de se passer complètement d'engrais de synthèse. C'est pas compliqué. Ça s'est fait toujours. C'est ce que je racontais. C'est la manière traditionnelle de faire de l'agriculture. Mais on peut parfaitement refaire ça. Et on peut, on peut d'ailleurs, maintenant qu'on comprend bien ces phénomènes, on peut imaginer des rotations très efficaces, les essayer. Euh, voilà. Il y a toute une agronomie de cela mm. euh, qui s'est développée, en fait, qui s'est développée par des savoirs. Euh, empirique de paysans, y compris aujourd'hui. Hein, les paysans euh, bio, euh, ils essayent plein de choses. Mmh. Et, et ça marche. <laughs> ils découvrent des façons très, euh, très élégantes de, euh, de cultiver les plantes dans des systèmes qui alternent non pas trois cultures différentes annuelles, mais jusqu'à 8, 10, 11, 12 plantes, ce qui fait des paysages beaucoup plus diversifiés, mmh. ce qui leur permet... Euh, de, de manger plus varié aussi. Je vais d'être moins vulnérable à mmh. tout, euh, tout événement extrême. c'est pas toute leur culture qui va être détruite, mais seulement mmh. une sur dix ou sur douze. Euh, et aussi de créer un espace beaucoup plus diversifié qui permet de résister aux maladies, hein, aux oui. attaques. Euh, D'abord d'avoir des, des espaces différents qui, permettent, qui donnent des habitats aux aux auxiliaires, mais aussi euh, de ne pas être vulnérable aux attaques qui résultent inévitablement de la répétition de la présence d'une culture, toujours au même endroit. Euh, on sait bien que c'est dans ces cas-là qu'il faut apporter pesticides, hein, et pesticides année après année pour, pour avoir une récolte. Parce que sinon, euh, voilà. Donc, on se passe des engrais de synthèse, on se passe des pesticides. pas beau, ça Alors, là, tu te précipites, tu vas à l'acte 3, déjà. C'est vrai. <rire> <rire> non, on, on doit... Pour moi, c'est l'acte 4, même, parce que... <rire> <rire> <laughs> Essayons d'aller sur l'acte de finaliser l'acte 2 pour aller à l'acte 3. Ok, donc l'acte 2 étant introduction, utilisation massive des engrais azotés, phosphorés aussi, mais bon, disons azotés. Euh, donc là, quand, quand j'avais parlé avec Fabien, il disait que en gros, c'est un espèce de dopage énergétique, quoi, ces engrais azotés et qui dopent également le sol au point que bah, voilà si on en, si on arrête bah, le sol il, il est perdu pour certaines années enfin il a besoin de, de retrouver ses marques etc ça donc juste pour réfléchir en termes de si vous vous souvenez au début on a parlé d'azote de flux de stock etc j'ai un de tes schémas que avec tes collègues vous avez élaboré qui montre les millions de tonnes d'azote qui circulent en Europe euh, je te le montre je vais vous le montrer également à l'écran, et je veux qu'on synthétise ce schéma-ci pour comprendre comment fonctionne ce, ce fameux système agroalimentaire. Donc là, on voit des, des flèches qui viennent à gauche, la plus grosse, qui sont du coup les engrais azotés, c'est ça Absolument, hein, il y a un petit sac d'engrais là, là qui symbolise cette flèche, c'est la plus grosse de tout, hein, c'est le flux de départ euh, qui vient des usines, c'est les intrants azotés achetés par les agriculteurs européens, importés d'ailleurs d'Europe en grande ouais. partie, je crois qu'il y a 30-40% de la production, c'est l'Europe au sens large, hein. donc la Norvège mmh. est dedans, donc il y a un mmh. petit peu de production intérieure quand même, euh, mais il y a une grosse partie qui est importée, euh, c'est 2019, donc encore importée de Russie et de Biélorussie, importée des pays du Golfe, importée de Tunisie, ah, c'est les trois gros fournisseurs. Les quatre gros fournisseurs. Euh, bon, voilà, c'est le flux majeur qui drive tout, le, tout ce système, qui est très ouvert, hein, finalement. Mm -hmm. euh, ça rentre par là et ça va sortir en perte partout ailleurs. Il y a un donc, peu de recyclage. Donc où est-ce que, que ça va, après donc, Alors, Ça va. Les ça, ça, donc ça fertilise les terres arables, les terres ouais. cultivées, et les prairies. D'accord. Plus, plus les terres cultivées, d'ailleurs, que les prairies. On fertilise quand même, dans certains pays, beaucoup les, les prairies, hein, bon. Enfin, bon, c'est surtout les terres, les terres cultivées. Alors, ces terres cultivées, elles produisent, bon, elles produisent toutes sortes de choses, des céréales, des, des fruits, des légumes, euh, des, euh, des protéagineux, des oléagineux. Ce qui est marrant quand on voit les chiffres-là, à l'échelle de l'Europe, c'est que, ah, c'est quoi Oui, ben c'est ça, il y, a, il y a à peu près deux tiers qui servent à l'alimentation du bétail. Hmm. Non, une, une grosse moitié, disons pour être tout à fait certain. Donc le bétail, il est nourri des terres cultivées, essentiellement. Et c'est la plus grande part, finalement, de notre besoin d'azote. De notre au final. besoin d'azote, c'est le bétail, c'est pas nous. Ouais. Il y a une toute petite partie, là, qui représente 1,4, c'est ouais. des millions de tonnes, hein, qui nourrit, euh, c'est la consommation des céréales euh, des Européens. Euh, il y a une bonne part aussi, plus que ça d'ailleurs, hein, plus, plus que ce qui est consommé sur place est exporté. Sous forme de céréales, vers les pays tiers de, de l'Europe. Euh, en partie pour l'alimentation humaine, ce qui est exporté vers le Maghreb, mais aussi en bonne partie pour l'alimentation animale, ailleurs mmh. qu'en Europe. Voilà. Donc on produit des céréales. On pour tourne nourrir. un peu sur, ouais, sur ouais. nous-mêmes. Ouais. Euh, alors le bétail, lui, non content de manger la moitié de la production agricole européenne, il doit importer encore une bonne part. Oui, il, il mange un peu d'herbe des prairies quand même. Hein, quand même, euh, mais il importe une bonne part qui est à peu près là C'est les 3 à 3 ouais. milliards, millions de tonnes importées. Euh, C'est presque autant que, la, que ce qu'il broute d'herbe dans le prairie. Voilà, et ça fait du bétail, ça fait du bétail qui fait de la viande et du lait, euh, dont les deux tiers sont consommés sur place en Europe et un tiers exporté, beaucoup sous forme de poudre de lait vers la Chine. Voilà. Ça, c'est le, le système. Un système qui, si on fait le, le bilan, bon, importe l'essentiel de sa fertilisation, hein, outre ce qui est recyclé quand même des, des excréments animaux, euh, exporte un peu de produits animaux et de produits végétaux vers le reste du monde. Bon, l'Europe nourrit le monde, tout le monde sait ça. Mais importe davantage encore de nourriture pour ce bétail. Ouais. Donc, en fait, en bilan, l'Europe dépend davantage du reste du monde pour son alimentation qu'elle ne nourrit le monde. L'Europe, mmh. donc, est nourrie par le reste du monde en bilan. Mmh. Ce n'est pas ce qu'on dit euh, en général. Mais si on regarde ça en termes de protéines, et c'est ce qui compte, finalement, c'est le cas. Voilà. Et non donc, seulement ça, là, il y a aussi les pertes. Alors, effectivement, mais je le disais, l'azote ouais. est un élément très mobile et donc. Euh, euh, la fertilisation ne doit pas seulement compenser euh, l'extraction par la récolte, mais aussi les pertes, et c'est tout à fait considérable. C'est presque... C'est 8, la, 8, 8 sur un total de, de, de 20... Bon, c'est un bon tiers de la production. Donc, donc le rendement de tout ça n'est pas fabuleux. <laughs> Donc, bon. Mais c'est comme ça que ça marche. Ceci, voilà. ouais. c'est ce un simple constat. Hein. C'est de la comptabilité. C'est un diagnostic. C'est un diagnostic, c est, c est un diagnostic ouais. alors, qui est un peu faussé parce que là, c'est à l'échelle de toute l'Europe et ça masque des spécialisations locales. Mmh. J'aimerais bien que tu montres aussi la figure où on, où on voit comment c'est comment organisé dans, dans différentes régions. Et il montre qu'en fait, voilà, on, on a une vision. On, on a enfin, quand on voit l'Europe dans son ensemble, ça a l'air d'être une belle polyculture élevage malgré tout. En fait, pas du tout, parce que le bétail est d'un côté, le bétail est en, en Bretagne, enfin en France, mais il est aussi dans les Pays-Bas, dans, dans le nord de l'Europe, euh, et, et d'autres régions sont totalement céréalières. Donc, en fait, il y a une disconnexion régionale qui est, qui est très frappante aussi. Donc, je te montre ça oui. pour qu'on réalise un peu, qu'on remette en contexte et qu'on regarde avec des chiffres, parce qu'au final, on a un peu du mal à se dire tiens, comment ça se passe Et ce que je voulais encore. Donc, rappelez-vous la grosse flèche qui rentre les synthèses, enfin les, les engrais azotés égale à chaque fois une tonne avec une tonne de, de tonne équivalent pétrole euh, et du coup autant de CO2 qui sont là-dedans et après donc on a donc deux premières euh, limites planétaires dépassées changement climatique deuxième limite planétaire dépassée l'azote et le phosphore troisième limite qui va bientôt être dépassée également l'acidification des océans, et quatrième, éventuellement, tout ce qui est consommation d'eau. En fait, tout ça, en fonction de ce qu'on choisit comme, euh, comme type d'agriculture, ça va consommer également d'eau. Et on voit aujourd'hui <laughs> comment euh, ce, cette négociation, ces arbitrages de certaines ressources vont être limitantes, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, et donc l'agriculture va se retrouver prise en étau par... Euh, des arbitrages demain. Non Oui, oui. Tu oublies, oublies une limite planétaire encore, c'est la biodiversité. La biodiversité, comme tu dis, et aussi le changement de sol que j'ai oublié complètement. Enfin, donc voilà, on, on peut se dire qu'il y en a 5 euh, des 6 qui sont euh, liés à l'agriculture, au mmh. final. Tout à fait. Donc c'est... Voilà, ce n'est pas juste anodin, évidemment, c'est dans notre assiette, c'est quelque chose qui nous touche personnellement, et je trouve que c'est le flux peut-être qui, qui se rapproche le plus à nos habitudes et à notre vie quotidienne quand on va parler d'énergie en voilà c'est ce qui nous entoure également mais on le, on l'ingère pas et donc euh, on a du mal à comprendre mais ce qui est important de se rappeler c'est que voilà le système agricole actuel est euh, un moteur de franchissement de limites planétaires tout à fait et du coup passons à l'acte 3 mais tu as dit que c'était peut-être l'acte 4 oui, bah, la, la, la distinction que je fais entre acte 2 et acte 3. L'acte ouais. 2, ce qui, ce qui est remarquable, c'est quand même la, le volontarisme des États pour mettre ça en place, pour mettre ce système euh, d'agriculture de, de industrielle en, en place. Ça s'est fait en 30 ans, quand même, enfin en Europe en tout cas. Euh, c'est la politique agricole c'est politique agricole c'est un volontarisme euh, avant même la politique agricole il y a eu le plan Monet, il y a eu le plan Marshall il y a eu la mise en place et puis il y a eu toutes les campagnes pour le, la révolution verte tout ça. En, en 30 ans le monde entier s'est mis à utiliser des engrais à berboche hmm. euh, et à renoncer à tout son savoir agricole traditionnel Quoi c'est hallucinant comme ça c'est fait vite hein et bien, bien, pire que euh, abandonner, euh, proscrit ou enfin c'est un peu ce qui s'est passé avec les chiffonniers à Paris. Au bout d'un moment, on a dit stop. Oui, ouais. tout à fait. Donc voilà. Euh, et puis donc, donc l'État est aux manettes. Hum. Et puis enfin le, le passage au troisième food régime, au troisième, hum. euh, regime, au troisième euh, système agroalimentaire euh, mondial, c'est le fait que. Euh, L'État se met à plus à réglementer. Il se rend compte... Hein, enfin, euh, la réglementation vient à ce moment-là. Euh, les, les engrais arrêtent leur progression. Euh, les, les pesticides commencent, hein, mais bon... Les engrais <laughs> arrêtent leur... leur euh, mais le, le moteur de tout cela devient... Euh, la politique des firmes. Les firmes qui ont, en fait, et qui se sont développées... Pendant cette période de 30 ans de, 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 de la modernisation de l'agriculture, ces femmes qui se sont développées parfois à partir de petites structures coopératrices pleines de bonne volonté, qui sont devenues des immenses empires commerciaux mondiaux, sont maintenant aux manettes et, et profitent d'une espèce de de règles d'ensemble de, ouais, de règles du jeu mis en place par les États, à travers l'OMC notamment, euh, et c'est bon, ce que certaines ONG appellent les, les food barons, hein, les barons de la nourriture, il y a, il y a, quelques, il y a un, peu, un très petit nombre d'énormes firmes multinationales qui sont les acteurs maintenant de, de ce système, tant pour les intrants de l'agriculture que pour la transformation et la et la distribution. Et, et ça, c'est totalement inédit. quoi mmh. Ça, c'est un système où les États ont l'air d'être là à regarder les balles qui passent, à essayer de, de réglementer un tout petit peu, d'assurer finalement une, un système de libre concurrence dont on sait bien à qui, à qui il profite. Mais euh, voilà, les États ne jouent plus du tout ce rôle de moteur d'une transition. Et mmh. c'est ce qui fait... Parce qu'on dit toujours, euh, voilà, l'agriculture a besoin de, 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 de transitionner. On voit bien que c'est... Tu, tu le disais toi, mmh. c'est un des, des principaux euh, secteurs de dépassement des limites planétaires. Donc il est urgent de faire une transition agricole. Pourquoi c'est si difficile Alors que, on a 30 ans pour le faire. Et qu'on a fait pire en 30, 30 ans. Mmh. <laughs> mais c'est parce que c'est plus les États qui sont aux manettes. Mmh. Euh, et que, et que les, les États veulent plus du tout se mettre aux manettes. Euh, que, que ça les dépasse complètement, et que donc on, maintenant on est dans un système qui cherche à générer du profit, et, et on voit mal les conseils d'administration de ces grandes firmes décider euh, d'une transition euh, qui, qui ruinerait leur profit. Donc on est dans un contexte politique totalement différent. Mmh. Et c'est ça qui est malheureux, et qui fait que, que ça sera beaucoup plus dur d'en sortir probablement, mmh. et que ça ne va pas se faire sans, sans bouleversement structurel euh, gigantesque. Évidemment. Évidemment, parce qu'on n'a plus les lois qui, qui, qui régissent ça, ou les États qui régissent ça. OK, bon, on est passé au, au summum, on est au, au moment le plus, le plus grand suspense. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans agrès azoté et sans agrès phosphaté Alors, oui, la question <laughs> se pose. Euh, bon, enfin, elle ne devrait pas se poser. Hein, euh, mais, mais effectivement, euh, avec tout le discours qui va... Qui va avec l'idéologie de la modernisation de l'agriculture. On nous dit, mais vous n'y pensez pas, euh, on ne peut pas nourrir une planète à, à 10 milliards d'habitants. Mm -hmm. euh, en fait, les calculs montrent qu'il faut doubler <laughs> la production agricole. Doubler. Les calculs, oui. <laughs> doubler, pourquoi doubler euh, Parce qu'enfin, on passe de 8 à 10 milliards, ce n'est pas un doublement. Ah oui, oui, mais les gens veulent manger beaucoup plus de viande. Donc euh, mm. voilà, il faut non seulement produire pour nourrir les gens, mais aussi pour nourrir les animaux dont ils ont besoin. Et quand on fait le calcul, ça fait, ça fait un doublement de la, de la production. Alors comment est-ce qu'on va faire On a le choix. Land sharing ou land sparing. Land sparing, c'est on va essayer de limiter au maximum... L'extension des terres agricoles, parce que ça, c'est le défrichement des, des fronts pionniers d'Amazonie. Hein. Bon, vous voulez pas de ça, vous voulez conserver la, la forêt amazonienne. C'est vrai que c'est <laughs> un, un réservoir de carbone. Bon, OK, on va essayer de limiter ça. Donc, on va essayer de travailler à euh, surface constant, agricole hein, oui. Mais donc, il faut doubler, donc il faut intensifier sur cette surface. Et donc, voilà, l'anspiring, c'est ça. On, on ne touche pas à la nature, ce qu'il en reste, mais on essaie d'intensifier... Euh, sur les espaces déjà cultivés, au contraire de l'option land sharing partage de la terre, hein, land sparing, économie de surface, land sharing partage de la terre, il dit au fond ce qui est important c'est c'est pas le, comment on traite le, la surface c'est pas la, cette surface c'est comment on la traite et si on peut la partager avec la nature avec la biodiversité en faisant une agriculture moins intensive, plus, plus diversifiée, euh, on n'a pas tous ces problèmes. Euh, donc voilà, l'adspérique versus euh, les adversaires de cette voie disent mais vous n'y pensez pas c'est impossible on peut pas nourrir cette chimère on peut pas nourrir la planète on ne peut pas doubler la production agricole mais pourquoi la doubler pourquoi faut-il la doubler euh, reprenons le problème dans son ensemble avec une vision systémique du, de l'ensemble du système agroalimentaire et euh, regardons les leviers qu'on peut actionner premier levier on va essayer de se passer des engrais de synthèse parce qu'on voit bien qu'ils sont euh, tellement générateur de, de gaz à effet de serre, mm -hmm. euh, aussi, finalement, de disparité, d'inégalité sociale. Euh, je veux dire, c'est, euh, entre pays, c'est une ressource qui n'est pas si accessible que ça. Qui, bon, voilà. Appauvrissement des sols. Appauvrissement aussi. des sols. Oui. Donc Essayons de nous passer de cette innovation fantastique du siècle dernier. Euh, ça suppose avoir, avoir des systèmes de rotation qui laissent la place à des légumineuses. Au passage, comme je l'ai dit, ça permet de se passer des sicides, donc c'est tout bénéfice. Donc voilà, premier levier, on généralise. C'est l'agroécologie C'est l'agroécologie. D'accord. Voilà, on généralise ce type de rotation. Premier levier. Deuxième levier, l'élevage. Euh, l'élevage, on en a besoin dans ce système-là parce que ça, ça aide au, au transfert de fertilité de prairies à, à terres arables. Euh, agent biogéochimique. Agent biogéochimique. Euh, et, et bon, voilà. Donc essayons de reconnaître. Mais, mais par contre, euh, l'élevage industriel, qui, qui est le fruit d'une spécialisation territoriale, ça on en veut plus. Donc on, on reconnecte, on remélange euh, zones de production agricole et zones de production animale. Euh, voilà, c'est la reconnexion euh, dans des systèmes de polyculture élevable. Deuxième levier. Troisième levier, euh, le régime alimentaire quand même que diable. Est-ce qu'on a besoin? Un de manger tant de viande, deux de, enfin, un, de manger tant de protéines, deux de manger tant de protéines animales. Bon, on, en man, on mange trop dans les pays euh, développés, dans les pays du Nord, on mange peut-être pas assez dans certains pays euh, ou, ou continents euh, bon, bon, où on est proche de cette limite physiologique dont je parlais, hein, de 3,6 kg d'azote par personne et par an, qui correspond aux 10 grammes de, de protéines mmh. par jour. Donc euh, voilà, repensons ce régime alimentaire. Il n'y a pas que les biogeochimistes qui disent ça, d'ailleurs les diététiciens disent la même chose. Des euh, médecins ont sorti il n'y a pas très longtemps dans la revue Lancet, Eat Lancet, une commission qui a proposé un régime alimentaire à la fois sain et euh, durable. Durable au sens de ses applications planétaires. Ce régime comprend, sans surprise, hein, beaucoup plus de légumineuses, graines, beaucoup plus de céréales, beaucoup moins de produits lactés, et beaucoup moins de produits carnés. Voilà. Tablons là-dessus. Ça fait grosso modo une réduction par deux de la quantité de protéines animales. Donc réduisons de moitié notre consommation de lait et de viande. Et deux. Et augmentons un peu la la consommation des protéines et surtout des légumineuses graines pois chiches lentilles etc avec un régime comme ça qu'on peut adapter hein, c'est cet écran mm -hmm. qu'on peut adapter régionalement avec un régime comme ça est-ce qu'on peut nourrir la population européenne à l'horizon 2050 euh, avec un système sans engrais de synthèse et un système de reconnexion d'élevage on fait l'exercice et on regarde si ça passe ou si ça passe pas qu -ce qu on, quand on fait cet exercice, qu'est-ce qu'on voit bah, C'est que en fait, l'Europe pourrait continuer à exporter moins de céréales et de produits animaux, mais continuer à en exporter. Mmh. Et peut se passer, au contraire, des importations de fourrage pour les animaux. Donc en fait, l'Europe deviendrait, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, ouais. deviendrait euh, nourricière, exportatrice nette euh, de, de protéines. Et, et les gens se porteraient mieux puisqu'ils adoptent un régime recommandé par les diététiciens. Euh, et les pollutions, en termes de nitrates dans les eaux, en termes d'ammoniac et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, euh, seraient réduites de moitié. Oui, parce qu'on n'a pas les engrais de synthèse, mais on aurait bon, les engrais bon, à ben y a, y a et quand même ça. des têtes, enfin, les, oui. donc, voilà. Et puis aussi, euh, comme tu disais, les, les eaux usées, etc. Voilà. Et donc, ce type de scénario passe. Je veux dire qu'on qu ne vienne pas nous dire que c'est impossible. C'est parfaitement possible, moyennant un certain nombre de conditions drastiques, et moyennant surtout une vision d'ensemble du fonctionnement du système. Et c'est le mérite de ça. Euh, Ce n'est pas parce que c'est possible que ça va se faire. On voit bien, que, <laughs> on voit bien où sont les réticences. Euh, mais si on veut s'en donner les moyens, si on pouvait s'en donner les moyens, l'expérience historique montre que. En trente ans, le, ces réformes peuvent être. Euh, fait et, et ne se base c'est l'intérêt de ce type de scénario hein, ne se base que sur des choses qui existent je veux dire c'est ouais. on utilise c'est pas une nouvelle euh, technologie c est, c est miracle a, qui va nous sauver absolument, on n'a pas besoin de la technologie pour ça au contraire on revient à des systèmes beaucoup plus, beaucoup plus, euh, quoi, beaucoup plus maîtrisables euh, beaucoup plus conviviaux au sens d'Illich e hein, euh. hmm. peut-être pour un, pour euh... Clôturer, moi, j'aimerais bien qu'on parle de tes expériences à La Réunion parce que, en tant que biochimiste ou personne qui, qui étudie le métabolisme d'un territoire, les îles sont quand même le laboratoire parfait avec des frontières bien définies où on mesure bien ce qui rentre et ce qui sort. Bon, évidemment, tu, tu as dû voir qu'il y a beaucoup d'importations et beaucoup d'exportations, une grosse dépendance euh, de beaucoup d'îles par leur interland plus ou moins mondialisé, mais euh, ça pourrait aussi devenir ces laboratoires pour tester ce que tu viens de dire. Ces, ces quatre euh, ou ces trois principes de circularité, agroécologie, euh, changement de, de diète, et puis, euh, j'en oublie un. Reconnexion, agriculture-élevage. Voilà. C'est quelque chose qu'on pourrait expérimenter dès demain, entre guillemets, dans, dans certains territoires, peut-être insulaires. Quelles sont tes, tes impressions là-dedans Qu'est-ce que tu as appris bah, C'est pas toujours une démarche d'expérimentation qui m'a poussé à m'intéresser à, à la réunion. C'est euh, des associations locales qui nous ont contactés pour nous demander euh, ah vous avez fait ce travail sur l'Europe Est-ce que euh, nous on milite depuis longtemps pour euh, retrouver une certaine autonomie alimentaire, une souveraineté alimentaire en fait sur cette île, parce que parce qu'on a vu notamment pendant le confinement euh, du Covid. Hein, euh, que ce n'était pas du tout clair qu'on allait être approvisionné, mmh. que, que les bateaux circulaient plus, qu'on que a été au bord de la rupture, notamment en alimentation animale d'ailleurs, mais aussi les, les rayons des supermarchés. Bah, il faut savoir qu'on que apporte tout le riz, qu'on importe l'essentiel de la nourriture finalement à la Réunion. La Réunion exporte son sucre. <laughs> Euh, et la canne à sucre occupe l'essentiel des terres agricoles, mmh. euh, mais apporte tout le reste. Bon, et donc on est dans un si système de vulnérabilité terrible. Donc voilà, c'est pas un champ d'expérimentation. Ça, c'est le vécu euh, de, de personnes qui, qui se demandent vraiment comment elles vont survivre à la prochaine crise, quoi. Mmh. Euh, et du coup, euh, elles militent pour qu'on fasse un peu moins de canne et un peu plus de cultures vivrières, quoi. Et c'est assez logique. Mmh. Et c'est <laughs> assez légitime. Euh, cela dit, un million d'habitants sur ce petit territoire dont les trois quarts sont en réserve naturelle et puis c'est des volcans. Bon, euh, c'est beaucoup de terres euh, urbanisées aussi. Mm. La, la, la place de l'agriculture par habitant, elle est très très limitée. Donc, c'est pas évident du tout d'impliquer mm. ce type de scénario. On a essayé de le faire. Euh, on est encore en train de peaufiner un petit peu les calculs. Ça passe, ça passe, mais ça passe, mais <laughs> euh, modification assez drastique du régime alimentaire. Et là, selon jusqu'où on est prêt à aller vers la réduction des protéines animales, les différences sont marquées. Et surtout, euh, réduction, peut-être même élimination complète, de la culture de la canne à sucre pour laisser place mmh. à des cultures vivrières. Euh, voilà. Et ça, donc, c'est quand même beaucoup plus contraignant. Mais ça n'est pas impossible. Moi, au début, j'étais assez sceptique quand j'ai commencé ces calculs, parce que je me disais, oh là là, euh, il <laughs> y, a, y a quand même, sur un hectare de terre agricole à La Réunion, pour un hectare de terre agricole, dont, dont pour le moment l'essentiel est occupé par la canne à sucre, mais même mm. si on libère cela, pour un hectare, il y a 40 personnes. C'est à peu près 5 ou 6 pour l'Europe. Hein. Mm. Donc on est quand même dans des situations beaucoup, beaucoup plus contraintes. Mm. — Par contre, tout pousse là-bas. — Bah oui, avec bon. les volcans aussi, j'imagine. — Oui, que... c'est ouais. des terres assez fertiles pour autant qu'elles soient, qu soient bien cultivées. Mais, mais voilà. Oui, c'est un, un cas assez intéressant euh, et pour lequel il y a effectivement un relais militant tout à fait euh, actif, quoi. Mmh. Donc j'aime pas quand tu dis que c'est un laboratoire. Oui, pardon. C'était peut-être une, une mauvaise manière de, de présenter ça, mais c'est en tout cas dans mes pensées euh, assez souvent les, les, les territoires insulaires, comment elles peuvent nous apprendre, en fait, beaucoup, de, non seulement mettre en évidence évidemment des vulnérabilités, mais être euh, la, le fer de lance, de montrer comment les changements doivent être faits, parce que ça nous permet de réaliser les limites, de les, de les voir, de les sentir. Chose que euh, dans les villes, on, on oublie très rapidement euh, d'où vient la nourriture, d'où vient. On, certes, on nous dit que Paris euh, n'a que trois jours de souveraineté alimentaire, enfin, je sais pas, il y a des. des mais euh, on le ressent pas physiquement, on n'a pas ce besoin. Et quand on voit un bateau qui amène l'eau fraîche, c'est, je pense, une, une autre conception de, de la de la fragilité de la vie. Quoi. Et c'est pour ça que je pense que les, les, les îles sont vraiment un, un, enfin des, des territoires symboliques par rapport à tout ça. Si on synthétise, on, on a parlé de, de biogéochimie, on a parlé d'engrais, on a parlé de système agricole, on a parlé d'agents également, parce qu'en fait, la, la clé, la, la sauce magique là-dedans, c'était quand même qui est derrière ces flux et comment on décide. Qu'est-ce qu'on doit retenir de, de tout ça on a fait l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4. C'est quoi l'épilogue de, de, de tout ça ben, L'acte 4 on ne verra le jour que si, euh, que si effectivement ces systèmes qu'on peut rêver, euh, qu'on peut rêver d'une manière globale, hein, grâce aux outils qui permettent cette vision synthétique. Que si cette vision euh, peut s'imposer, euh, et c'est clair que on voit bien l'acte 3 il a verrouillé complètement mm. les possibilités de transition. Euh, c'est ça qui est terrible, mm. que donc euh, voilà, on est on est vraiment au point de, de rupture où pour changer les choses, il suffit pas de démontrer qu'elles sont qu'elles peuvent être changées dans le bon sens. Hein, que, euh, que d'avoir enfin, je crois que c'est très important de faire la démonstration que, que le rêve d'un monde euh, plus juste, plus habitable euh, est parfaitement biophysiquement possible quoi. Mm -hmm. je veux dire, c'est pas, pas des chimères et heureusement ouais. ben... voilà, oui <laughs> ouais. de euh, mais de là à l'imposer aux agents <laughs> dont, dont tu parles euh, ça suffit pas mm. Alors, comment on fait bon, Je ne sais plus qui disait ça, que le, que le sérieux peut-être a changé de camp, et c'est ce qui va nous sauver. Le, euh, oh, oh, il y a encore quelques années, ceux qui faisaient des rêves de monde meilleur, comme ça, étaient qualifiés de rêveurs et pas sérieux. Euh, Aujourd'hui, je veux dire, on a quand même les outils, et il y a, il y a quand même suffisamment de, de données, de, de travaux qui montrent que, que, voilà, que cette vision, d'un monde plus juste, plus solidaire, plus, plus circulaire, plus harmonieux, euh, qui, qui respecte la planète, euh, que cette vision-là, elle est sérieuse, elle est documentée, elle est, voilà, on peut la décrire avec minutie. Euh, C'est là qu'elle est sérieuse. Par contre, les projets qui continuent de se baser sur une croissance indispensable, pour, hein, sur... Euh, voilà, sur la, la nécessité de poursuivre pour, dans, dans des voies qui, sont, qui vont certes rapporter du profit, mais qui vont continuer à augmenter les, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, voilà. Euh, que, 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 C'est plus sérieux, ça. Et que, que les justifications oui. qui en sont données face à, aux impératifs, quand même, de... De, de lutte contre le changement climatique ou, ou simplement, d'ailleurs, de, de lutte contre les inégalités, que, que les arguments donnés par ces grands projets dans la continuité euh, de, de la... du développement euh, technologique, que c'est là qu'est pas le sérieux, quoi. Mm. Euh, mais, voilà, c'est bon de se dire que le, change, que le sérieux a changé de camp. Maintenant, comment on fait pour, pour éviter qu'un très petit nombre d'agents devenus détenteur d'une fraction énorme des, des moyens et des ressources de la planète, euh, cesse d'imposer à cette planète euh, ce qu'il lui impose pour le moment. Euh, C'est là qu'est la grande question, évidemment. Hum. Est-ce que tu as un livre ou un film euh, que tu aimerais euh, proposer, soit un futur euh, désirable, soit euh, comment arriver à renverser euh, ces quelques agents, soit mieux comprendre ce, ce système agroalimentaire, quelque chose qui t'a marqué. Évidemment, tu as parlé de Moby Dick en tant que euh, enfin, bio-géochimiste. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué et que tu aimerais partager euh, pour qu'on explore un peu plus Alors, ce n'est pas un livre de bio-géochimie, ah, oui. mais euh, Eric Olin-Wright, euh, qui est un politologue euh, euh, anglo-saxon, a fait un travail fantastique hein, de, de typologie des modes d'action <laughs> euh, pour, euh, pour transformer le monde dans un sens euh, d'émancipation, finalement, euh, et de, de fonctionnement harmonieux. Euh, ça s'appelle Utopie réelle. Je crois que c'est une source d'inspiration extraordinaire, ce livre, parce que c'est parce que presque... Voilà, parce qu'il y a cette... Euh, il il démontre tous les éventails d'actions possibles face, à, face au constat d'un monde verrouillé par le capitalisme, en fait. Euh, et ça, c'est pas mal, quoi. Comme euh, ça, ouais, ça donne espoir, un peu. <laughs> bon. Je note dans la liste des, des livres. Euh, merci encore, Gilles, pour, pour cette discussion. Euh, merci également à vous toutes et tous d'avoir euh, écouté, euh, essayé d'assimiler, digérer euh, toutes ces informations-là. N'hésitez pas également euh, on avait fait ces épisodes avec euh, Sabine Barle et puis Fabien Esculier, qui, qui présentent également euh, l'amont, l'aval, la ville autour des systèmes agroalimentaires. Euh, et je vous dis à dans deux semaines pour une autre discussion. Voilà. Merci.